nan, bienveni sou News Aid. En fait, nou pote pou la, e sa nou rele kelke recolt, de prodwi recolt. Se de prodwi tre danjwe sou konsome yo ki ka ospitalize yo, ki ka menm tou yo menm. Donk, moun ki fe yo mande si yo nan moun nan mouman la, si yo nan refrigerateur, voye yo jete, nou pral site yo pou ou. E sa nou rele soum ne la outbreak, se de se de baga ki kapab kontamine yo, yo jwenn yo nan poul. Et donc c'est ça nous dit un food recall gien qu'on fait c'est par des mesures de précaution. Il y a plusieurs types de recall. Gien des recall c'est que compagnie ont doute ou ensemble des bagages mais ça il est différent parce que normalement parle avec vous là gien à peu près 30 monde qui gien temps malade à travers une douzaine de states dans pays là et gien 11 dans yo qui gien temps hospitalisé. Et chicken ça on a parlé là et yo sorti dans Serenade Food. Serenade Food qui c'est une compagnie qui basée dans Indiana, elle basée dans Indiana, ça veut dire even food to toute state oui. Et gain à peu près 60 000 pounds de chicken et des chicken et n'a parlé de chicken glacé et qui justement il fait partie de recall ça, il demandé pour entrer. N'a répété pour encore c'est Serenade Food qui disponible dans plusieurs stores, le Walmart tout mais il y a store tant que Aldi, Cevelot et Food for Less produit ça yo, nous capable joindre yo dans n'a joindre yo sous brand ça yo. Dutch Farm Chicken, Milford Valley Chicken, Kirkwood. M'a prendre yo pour brand ça yo. Dutch Farm Chicken, Milford Valley Chicken, Kirkwood. OK, c'est brand ça yo qu'on capable joindre chicken sa yo et yo sujet de recall dans plusieurs states dans East Coast et des states tant que Alabama, Connecticut, Delaware, Florida côté Miela, Georgia, Iowa, Illinois, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont et Wisconsin, West Virginia, OK? Et maintenant suivant et Food Safety Inspection Service au niveau du département de l'agriculture yo impliqué produit ça gain 5 onces individuel plastique yo wapet ça nous les Dutch Farm Chicken là qui gain brocoli là-dedans et gain 5 onces plastique yo wap yo groupe dans plastique Milford Valley Chicken il gain brocoli and cheese il gain barcode 1055 et qui t'a supposé expirer jusqu'à 24 février 2023. Donc sous ta gagner n'a ou gagne par exemple tout 10 onces individual plastique wrapped package Milford Valley Chicken cordon bleu et code là c'est CB1055 et ou gagne 5 onces plastique package Kirkwood raw stuffed chicken broccoli and cheese li gagne barcode 1055 et ou gagne 5 onces individual plastique livré en plastique package Kirkwood raw stuffed chicken cordon bleu de, et code là c'est et c'est CB1056 et si par exemple ou ta gen yon nan produit sa yo la kayou et rapidement immédiatement voye le jete. Donc souhaitez qu'on comprenne ça danger qui gen nan salmonella. Salmonella c'est une bactérie infectée qui causait plusieurs pendant des années plusieurs fois yo faire recall sou yo li capable gen infection c'est li capable diarrhée. Il quand même conduit la mort. Il y a à peu près 400 personnes qui mourent. Il y a déjà 27 000 personnes qui hospitalisées. Donc voilà, nous pensons que c'est important pour nous partager ça avec vous. Mais à côté de ça, là, nous parlons du chicken. Nous avons tout profité de la compagnie ça, qui est le Cherry Butter. Et Cherry Butter et 10-11 bocal Rocky. Top Farm Cherry Butters là, yo fait recall li Top Farmer a parce que yo bien dit oui, li capable cause de sérieux problèmes et qui capable même causer la vie. Cherry Butter qui gagne qui fait avec lait et donc compagnon écrit FDA, voyez notice ça, yo constaté gon bon monde qui développé de série de sévères allergies avec lait ça, yo campé produit à un moment, OK? Donc c'est ça qui est important. D'autres points, nous gagnons tout
particulièrement au niveau de Costco, qui fait des séries de recall sous des produits et qui des produits que suggère produit ça responsable n'importe 35 36 monde qui malade dans à peu près 17 states et 27 août qui s'est passé là yo dispatch advisor yo dans New Jersey et dans New Jersey un italien food brand qui relait Fratelli Beretta. OK, Fratelli de Beretta. Donc yo recall produit ça. Donc c'est un ensemble de produits qui yo recall nous pensons que c'était important. Pourquoi? Parce que les recall produits c'est le fait que li capable fort malade. OK? Li important pour noter que USD et ça une société là yo, yo te voye en location un peu partout aux États-Unis. OK? Donc un peu pour en fait m'a parlé ma préprendre encore brand là c'est Fratelli Beretta. Fratelli Beretta qui est brand ça qui capable causer un ensemble de problèmes sous consommer. OK? Et donc voilà et nous pensons qu'il est important pour nous partager image ça avec vous. Bon regardez est-ce que me ca montre écran ou capable ouais ça n'a pas l'air. OK, mais produit à là. Mais libéré ta, OK? Par contre, il me faire le pic gros pour Noël. Il est très dangereux. Mais ça cher, OK? OK. Donc voilà, sou acheter Fratelli Beretta, you gon recall sous lui. Donc voyez le jeter. C'est ils sont produits notamment à Costco. OK guys, je te crée information ça yo pertinent. Donc et nous t'a souhaité que on même qui gagne information ça tout que justement ou partager avec nos confrères et c'est la vie que on observe l'important pour nous toujours rester informé tout de produits recall yo et youn nan côté capable aller gagne FDA qui gon liste et soit aller sur sur website FDA et il y a une liste de produits que qui fait de produits recall capable de checker. C'est pas seulement produits et que n'a pas mangé seulement qu'on recall. Il y a des produits que on utiliser des objets des biens que qu'on recall parce que dernièrement là gagné un treadmill bien que me t'ai intention acheter un Peloton, yo doudé pour monter l'église tout monde peut tomber, yo recall li. Vous comprenez? Et donc il y a plusieurs types de produits que vous qu'on recolle parce que vous trouvez que yo dangereux. Donc voilà, nous devons partager info ça. Vous pas oublier toujours été connecté avec Palmisac Mapolakai. Bye bye tout le monde.